Quel est ce genre de rêve? Qu'est-ce que j'ai à voir avec une secte occulte? Jiden. Non. Je refuse catégoriquement ce genre d'histoire. Je ne dois d'explication à personne. Jumeau ou pas jumeau. Je n'ai absolument rien à faire avec lui. Non. Dieu m'en garde. Le diable est un menteur. Non. Madame, il faut prévoir la monnaie. Vous devez prévoir la monnaie. Oh, c'est mon premier voyage, je n'ai pas voiture, de monnaie. Donc la monnaie ne manquera pas. D'accord. Monsieur, vous avez la monnaie? Oui. C'est le premier voyage, je n'ai pas de monnaie. Tu ne sais même pas chercher le client. Tu ne sais même pas chercher le client. Il faut me laisser travailler, s'il te plaît. Tout ce qui t'intéresse, c'est enivré d'alcool. Amokwe. On va. Vous partez. Amokwe. Ah, hey. Biko, laisse-moi tranquille. Ah, qu'est-ce qu'il y a? On dirait que tu n'as pas tout à tête. T'es obligé de me toucher. Non, mais qu'est-ce que je veux faire? Pardon, seulement il faut partir. Je vois que tu n'as pas toute ta tête. C'est toi qui n'as pas toute ta tête. Cette tête est aussi mal formée que cette voiture. Non, mais rentre dans cette voiture avec laquelle tu as la même couleur. Rentre ici. Où est-ce que tu vas? Dégage. C'est quoi cette démarche? C'est quoi cette mauvaise démarche? Tu balances tes fesses de part et d'autre. Tu balances tes fesses. Vous partez, c'est moi qui conduis ta voiture. Venez, madame. Que Dieu te bénisse. Fais ça et donne-moi mon argent, s'il te plaît. Toi, je t'ai pas sonné, ok? Une espèce idiote qui ne sait pas se mêler de ses affaires. Avec sa mauvaise démarche. Amokwe. Eh, jeune homme, méfie-toi. Oui, j'ai compris. Entrez dans cette voiture. Amokwe. Deux places, Amokwe. Deux places. Vous allez, monsieur? Monsieur, vous? Non, mais va demander à ça, monsieur. Quelle est sa destination? Demande sa destination. Amokwe. On y va, ma belle. Vous avez de la monnaie? Oui, j'en ai. Allez-y, entrez. Amokwe. Deux places, Amokwe. Allons-y. Vous avez de la monnaie? Je ne te demande pas de me bouger tes fesses. Je te demande si tu as la monnaie. Pas le temps pour les idioties. Amokwe. J'espère que tout le monde a la monnaie. J'ose croire que tout le monde a la monnaie. Attends. Allez, on a la monnaie. Allons-y, chauffeur. On est pressé. Les frais de chargement. Je ne comprends pas. Tu sais très bien que c'est mon premier voyage. Pourquoi est-ce que tu frappes ma voiture comme ça? Je vais te donner ton argent. Allez, donne. Non, mais attendez. Je suis en train de régler un problème ici. Attendez, s'il te plaît, attends. C'est mon tout premier voyage, je vais te payer de mon retour. Voilà que tu recommences, pas vrai? Comment ça, j'ai recommencé? Voilà je t'ai prévenu avant, non? Donne-moi l'argent de chargement. Pourquoi? C'est toi qui m'as acheté cette voiture? Est-ce toi qui m'as acheté cette voiture? Je te dis que c'est mon premier tour et dès mon retour, je te donne ton argent. Écoute, je n'aime pas les insultes, je déteste les insultes. Arrête-moi cet argent. Monsieur, je vais te donner ton argent, je suis à mon premier voyage. Donne-moi cet argent avant de partir. Est-ce que je te dois? Je vais faire descendre ton passager, ok? Ok. Je vais faire. Ok. Je vais te payer, je promets que je vais te payer. Ok? Je suis à mon premier voyage. D'accord, bouge. Mon monsieur. Vas-y, bouge. Allez, sors. Mon mec sûr. Allez, Nessa, c'est ton tour, ramène-toi. Monsieur Olu, j'ai essayé de vous joindre par téléphone, mais toujours en vain. Que s'est-il passé? Ouais, monsieur, j'ai manqué vos appels. Plutôt, mais je pouvais plus vous rappeler. Parce que le réseau est un peu instable dans ma zone. Monsieur Olo, je dois être honnête avec vous. Je suis vraiment déçu de vous. Ce genre de comportement ne vous ressemble pas. En ce moment, nous devrions savoir quand est-ce que les consignations sont censées y arriver. Mais jusqu'à présent, on ne sait pas quand est-ce que la marchandise va arriver à l'entrepôt. Qu'est-ce qui se passe? Patron, je suis pas content de le dire, mais... Je dois vous dire que nous avons de mauvaises nouvelles. De mauvaises nouvelles? Ouais. Tous les conteneurs ont coulé et tout l'équipage est mort à bord. Hein? Ouais. Thank you.
Madame, nous allons vous déposer ici. Convoyeur, j'ai dit que je descendais au prochain arrêt. Quel arrêt? Mais le prochain arrêt, c'est pas ce que je t'ai dit. Où sont les témoins? Mais elle vous l'a dit. À qui est-ce qu'elle l'a dit? Elle vous l'a dit. Dis à qui? N'est-ce pas ta sœur? Tu peux la conduire. Dis à qui? Pardon, il faut que j'ai la voiture. Tu vas me laisser où je t'ai dit. Je suis en train de dire que je ne peux pas arrêter. Vous ne voulez pas laisser les gens à destination? Descendez. Tu m'as déposé. Il va nous laisser. Elle a donné son itinéraire. Vous bavardez. Vous allez me dépasser. Vous ne voulez pas me payer? Ok, nous laissez les gens. C'est au carrefour ici à qui que vous allez descendre. Croyez-moi. Conduire. Tout ce que vous racontez là n'engage que vous. C'est pas mon problème. Allons-y, Aïsiaki. Je ne sais même pas pourquoi nous sommes montés dans ce vieux bus. N'importe quoi. Hé, hey, ferme-la. Hé, hey, ferme ta gueule, s'il te plaît. Tu ferais mieux de la fermer. Hé, hey, laisse-moi tranquille, pardon. N'importe quoi. Oye, merime, yabiko we moromia. Asoka sareme, yabiko me moromia. Alors je suis content que Jésus m'aime, Jésus m'aime. Je suis si fier que Jésus m'aime. Jésus m'aime et mon milkshake. Mon milkshake. Milkshake, mais... C'est pas comme ça que tu devrais saluer ton mari. Salut ton mari! Bonsoir. Je ne suis pas en train de dire ton petit ami. Celui-là qui a payé ta dot, ton mari, celui avec qui tu as dansé le jour de ton mariage. Salut ton mari. Yeah. Bonsoir, monsieur. Appelle-moi par un mignon sobriquet. Regarde-moi droit dans les yeux. Et salue ton mari. Fais-le. Bonsoir, monsieur, mon amour. Ah-ha! Je suis si fier que Jésus m'aime. Amen. Jésus m'aime. Jésus m'aime. Je suis si fier que Jésus m'aime. Hein? Jésus m'aime, il m'aime. Oh! Timoma, continue à chanter. Et bien chaud. Saison 1. Chineke. Très chaud. Hey, Obim. Qu'est-ce qui se passe? Nkwabe. Saison 2. Oh! Encore très très chaud. Chineke. Ça chauffe encore. Ça, c'est celui qui va te mettre KO. Quoi ça? Ici où? Hey! Oh, oh, oh. Mon milkshake. Bouge, bouge ça même. Ne le grippe pas. Bouge ça. Ne le casse pas. Mon cou va bien être secoué. Hey! Tu es le meilleur. Waloumé gounoum. Chineke. Waloumé nou 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 nou. Hey! Bouge ça! Ne les brise pas! Bouge ça! Ne les casse pas! Moi, baby, Nyami Fegi! 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 Moi, baby! C'est l'argent qui verse comme ça! Seigneur! Tu es mon milkshake! Et Bouka? Le milkshake! Vas-y, bouge! Ne le casse pas! Bouge ça, mais ne le brise pas! Tout cet argent pour toi. Tout ça, c'est pour toi. S'il te plaît, allons à l'intérieur. Allez, allons à l'intérieur. L'argent, c'est le pouvoir. L'argent, c'est le pouvoir. Allons à l'intérieur. Non, n'oublie pas celui-là. Hey! Il ne faut pas que les voisins voient ça. Bouge ça. Ne le brise pas. Bouge ça. Ne, je vais le briser. Hey! Hey! Mm-hmm. C'est comme ça que tu devrais me traiter. Si tu me traites comme ça, je vais te traiter comme si tu traitais là-bas dedans. Comme mon mari. Comme ton mari, non? Oui. Hey.
Tu vois, je sais pas ce qui s'est passé au garage. Les gens ne faisaient que courir vers ma voiture comme si elle était la seule voiture de ce garage. Ah. Je ne sais vraiment pas ce qui s'est passé. À chaque fois que je gare, pap, les gens courent et la remplissent. Je gare, pap, ils remplissent la voiture. C'est pour ça que j'ai eu l'argent pour acheter tout ceci. Obim, tu es sûr qu'il n'y a pas de grève de taxi? C'est le seul moment où les gens prennent le bus. Je ne suis pas sûr, mais en même temps, quand je vais arriver au garage demain, je vais demander. Obim, tu dois penser à équiper la maison. Hein? Parce que demain, on ne sait jamais. Et le problème n'est pas d'équiper la maison. Le problème, c'est de construire la maison d'autrui, de quelqu'un d'autre. Ne trouves-tu pas cela idiot de s'équiper alors qu'on n'a pas encore construit? Et en plus, je suis une station d'essence. Je suis en train de m'équiper pour le second round. Allez, prends. Je dois renforcer mon énergie pour le second round. Une dernière pour la route. L'énergie. On n'a pas fini. Quand j'aurai fini avec toi aujourd'hui. Est-ce que tu... Demain, quand tu vas rentrer, tu vas acheter le double de tout ceci. N'enlève pas ta main de là. Pourquoi enlever ma main? C'est à moi, non? Mon champion. Mon champion. Appelle-moi encore. Je vais lécher tes aisselles. Obim, mon champion. Donne-moi la bière. Bientôt, j'aurai de l'énergie. J'ai de l'énergie. Depuis le premier jour où tu m'as épousé, j'ai de l'énergie. Moi, j'en peux encore. C'est dans mon corps. C'est juste la moitié. Encore. Allez, viens. Tu en veux encore? Plus d'énergie? Hey, Obim, la chaleur, la chaleur. Allume le ventilateur. T'en veux encore? Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Comment s'y arriver? Je sais pas. Moi-même, je suis surpris. Je suis vraiment surpris, là. Et honnêtement, je comprends pas ce qui est en train de se passer, là. Ce qui est arrivé, là, ne s'est jamais passé auparavant. Comment une affaire peut tomber comme ça? Même la marchandise que j'ai vendue à ce gars, il n'a pas payé. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Hein? Qu'est-ce qu'on fait? J'en sais rien. Je sais vraiment pas, je suis vraiment pas prêt à rentrer à la maison. Non. La puce lui-même a refusé de payer. Tu t'imagines? J'ai un ami. Hein? Ouais, j'ai un ami. Qui peut bien nous aider. Mais tu sais qu'on ne peut pas faire confiance à tout le monde. Hein? Appelle-le alors. Je devrais l'appeler, n'est-ce pas? Ouais, bien sûr, appelle-le. Eh bien, appelle-le vu que l'affaire ne marche plus. Je vais essayer. Oui, Don? En effet, nos associés passent par des moments particulièrement difficiles, surtout en ce qui concerne le paiement de salaire, ce qui a eu un impact négatif sur leur fortune. Donc, à quoi donc s'attendre? Je pensais que cette réunion était censée trouver des solutions à ce problème. Mais monsieur, pourquoi le conseil d'administration n'est-il pas à cette réunion? Eh bien, j'ai assisté à plusieurs réunions avec eux. Et ils m'ont assuré que les salaires seront payés le plus tôt possible. Mais ils vous prient aussi de faire preuve d'un peu de patience et de compréhension. Vous savez qu'ils ont toujours accordé une importance particulière au bien-être de leurs employés, au-delà de tout ce qui peut arriver. Cependant, ils auront besoin de plus de patience et de compréhension de votre part. Et je puis vous assurer que, très bientôt, ces problèmes seront réglés. Ma chérie, viens. Viens, j'ai quelque chose à te dire. Viens, Gozé, viens. C'est Nekeme. Viens ici. Tu me fais, viens me donner mon argent. Je veux mon argent. Gozé.
Ngozi. 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 Je veux mon argent. Seigneur, mais qu'est-ce qu'elle est venue faire ici? Cette sorcière, c'est quelle malchance ça? Elle va me mettre la honte maintenant, pour combien? Hey, hey oh, toute la concession va voir ça. Hey, Ngozi, Ngozi, tu vas me donner mon argent aujourd'hui. Ngozi, Ngozi, je sais que tu es là-dedans. Ouvre cette porte tout de suite, je veux mon argent. Ah ah, ça fait 3 mois que tu me dois mon argent. Tina, Tina, pourquoi tu te déranges tant dans cette concession? Tu ne vois pas que personne ne répond? C'est parce qu'elle n'est pas là. Pardon, 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 arrête-moi ça. Voici, elle t'a envoyé parler à sa place, n'est-ce pas? Peut dire qu'elle n'est pas là. Moi? Écoute, Tina, je n'ai pas le temps pour ça. Tu comprends? Je n'ai pas le temps pour ça. Tu peux rester là à la chercher, ou même encore aller là derrière vérifier. Ne te dérange pas, je vais chercher. Comme tu veux. Je suis là, j'attends ici. La propriétaire du label. Hélène. La propriétaire du label. Mon Dieu, c'est bien toi. Oh mon Dieu. Tu m'as manqué. C'est ton bébé. Allez, regarde. Montre-moi. Regarde. Montre-moi. Oh. Oh mon Dieu. Je n'arrive pas à croire que ce soit toi. Bien sûr que c'est moi. Quand es-tu rentrée de ton voyage à l'étranger? Il y a de cela 24 heures. Et toi, comment es-tu? Je vais bien. Regarde comment tu es toute belle. Ces derniers mois, on fait des merveilles sur et toi. Oui, tu as raison de le dire. Je vois que tes affaires marchent comme tu veux. Merci. Tu t'en Merci. Sors super bien. Bon retour à la maison, ma chérie. Oh. Même si tu as raté des potins croustillants. Très, Vraiment? Très croustillants. D'accord. C'est la raison pour laquelle je suis là. Pour que tu me racontes tous les potins que j'ai manqués, que tu me mettes au parfum d'absolument tout. Tu sais que je te mets toujours à la page. Oh, s'il te plaît. Tu es ma pote, non? Je te fais confiance. Les aigles se sont réunis il y a 2 mois. Sérieusement? Il fallait voir les aiglons qu'ils ont ramenés à la réunion. Attends, quoi? Ces choses ont cru qu'elles pouvaient voler la vedette à des aigles comme nous. C'est impossible. Carrément impossible, mais maintenant que j'y repense. Mais le maître avait dit qu'il n'y aura pas d'étrangers. Alors que s'est-il passé? Eh bien, les règles ont changé. En tout cas, assez parlé de ça, parlons plutôt de nous. Alors, oh. Comment va l'Europe? Super bien. L'Europe est super. Je vois ça. Comme tu me vois là. J'ai apporté plein de... Ma chérie. Plein de cadeaux. Ma chérie. Allez, ça, vite. Ma chérie. Regarde-moi. Fais voir ça. Regarde. Fais voir ça, s'il te plaît. Je suis sexy. Allez, regarde. Je sais. Regarde. Ouais, c'est ça. Regarde. Montre-moi ça. Bonjour. Voisine, bonjour. Voisine, bravo. Voisine! Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Hein? Est-ce que tu es obligée de me percer le tympan pour que je t'entende? Désolée, te fâche pas. C'est parce que je t'appelais, mais tu ne voulais pas répondre. Tu m'as appelée. Où est-ce que tu m'as appelée? Au téléphone depuis le paradis. Ah. Où? J'étais ici à t'appeler, voisine, voisine, mais tu ne voulais pas répondre. Aux dernières nouvelles, mon nom, ce n'est pas voisine. Ida Poala. Oh, désolée, j'avais oublié. Madame Eboka. C'est mieux. Qu'est-ce que tu veux? Ta facture d'électricité. On a commencé à collecter l'argent des factures et je suis là pour ça. Donc, donne-moi ton argent. Oh, Moka. Et c'est maintenant que tu viens. Pourquoi n'es-tu pas venue quand mon mari était là? Pourquoi n'es-tu pas venue hier soir quand il était là? Madame Eboka, écoutez, j'étais là hier soir. J'ai toqué la porte, mais personne n'a répondu, donc je suis partie. S'il te plaît, donne-moi ton argent, je pars. J'ai des choses à faire là-dedans. Attends un peu. Donc tu es même venue frapper dans la nuit? Ah. Attends, donc je dois arrêter de satisfaire mon mari pour ouvrir la porte? C'est toi qui frappais hier soir? Ça veut dire que tu es une idiote. Tu es très stupide. Madame, pardon, s'il te plaît, donne-moi ton argent. Je n'ai pas le temps. Attends, dis-moi,
Donc t'as l'argent pour investir dans tous ces stupides maquillages, hein? Mais vous êtes incapable de payer les simples factures d'électricité. Connerie. N'importe quoi. Pardon, donne-moi vite ton argent, je vais partir. Qu'est-ce que tu as dit? Ne me touche pas, oh. Ne me touche pas. Qu'est-ce que tu as dit? Ne me touche mon pas. Mon maquillage? Non. Non, tu... Tu es malade? Aidez-moi! Ça ne va pas? Tu... Hé, hey, je maquille! Hein, qu'est-ce qui arrive? Est-ce que... Lâche ça, tu veux te maquiller? Lâche-moi! Lâche-moi! Laisse-moi lui apprendre les bonnes manières! Hé, ma fille, lève-toi, lève-toi. Idiot. Tu veux la lâcher? Allez, lâche-la. Idiot. Debout. Debout, ma fille, allez, lève-toi. N'importe quoi. Et c'est la dernière fois. Lâche-la, ok? Je m'occuperai de toi. Ça va aller, désolée. Désolée. Monsieur, j'ai fini. D'accord, combien je vous dois? 200, juste 200. 200, ça fait juste 200, monsieur. C'est bon, rentrons. Désolé. Merci, monsieur. Ça va aller. Courage. Bye. Tu dors faux. Tu ne dors pas. Jidenna, comment je peux dormir alors que le ciel nous tombe sur la tête? Quel verset vais-je utiliser pour affronter le monde? On est quitté de la richesse à la pauvreté. Dena, quelque chose est en train de nous arriver. Et si vraiment on ne fait rien, nous sommes foutus. Tu ne le vois pas? Écoute, Jidofo, je sais. On dit communément que la chute d'un homme n'est pas la fin de sa vie. Tu vois, peu importe l'ampleur de la tempête, il y a toujours une lueur au bout du tunnel. Mais écoute, j'ai l'espoir que Dieu fera quelque chose. Seigneur, s'il te plaît, viens notre secours. S'il te plaît. Amen. Quant à moi, j'en ai vraiment marre. Prions. Prions. Prier? Ouais. Tes mains. Ah. Chauffeur, qu'est-ce qui se passe? Ce bus tous les jours? Non, mais permettez que je puisse vérifier la voiture. C'est quoi ça? Oh. Oumont, vérifie. Ah. C'est pas cette voiture qui... C'est encore quoi ce délire? Qu'est-ce qui se passe? Madame, surtout ne me mettez pas en colère. Oh, ça c'est quelle malchance encore! Je suis en retard pour mon entretien. S'il te plaît, la ferme! Quelle malchance! N'est-ce pas toi qui es venu avec la malchance? Avant de te porter cette voiture, roulait normalement. Et depuis que je t'ai porté, tu es venu avec ta malchance. Et en nous parlant de ta maudite interview. Kwenu nano, Kwenu! Mekiyao! Tu me parles de quel stupide entretien? Avec tes chaussures qui ont déjà porté plus de 48 entretiens, sans jamais trouver de boulot. Et tu veux la coller sur moi? Avant toi, cette voiture ne fonctionnait-elle pas? Ne me pousse pas à m'énerver. Et ce n'est que ça que tu as trouvé comme chaussure pour amener à un entretien. Ne me pousse pas à m'énerver. Chauffeur,
Donc tu as toujours la bouche pour parler, n'est-ce pas? Tu as la mauvaise bouche, n'est-ce pas? Après avoir exigé une somme exorbitante de tes passagers, tu ne les déposes même pas à destination. De quoi est-ce qu'elle parle? Mais... celle-là. Le prix n'est pas exorbitant lorsque tu prends le taxi. Mais il devient exorbitant quand tu prends le bus. Non mais c'est toi qui m'insultes. Mon ami, ne me parle pas comme ça. Et toi, tu as le droit de me parler n'importe comment. Pourquoi est-ce que tu ne prends pas le taxi pendant qu'on y est? Exorbitant, n'est-ce pas? Tu sais t'exprimer? Tu sais d'où est-ce que je viens? Ces choses-là, est-ce qu'elles sont de vraies? Est-ce que tes seins-là, ce sont de vraies? Elles sont réelles. Espèce d'inutile. Je ne sais même pas pourquoi. Est-ce que je vous ai pris dans ma voiture? En plus, je ne sais pas ce qu'on va faire maintenant. Chauffeur, remboursez-nous. Ah ouais? Nous avons un problème? Mais c'est quoi ça? Vraiment sérieux? Oumo! Oumo, remets-lui. Tu ne veux pas lui remettre son argent? Tu ne lui donnes pas son argent? Oumo, donne-lui son argent. Chauffeur, nous voilà dans les problèmes. Qu'est-ce que je vais manger? Oumo, pardon, madame, donnez-lui votre argent. Remettez son argent. Remboursez-la. Oumo, tu as son argent. Remettez ta bouche à ma gueule. Oh, ouais. Remets-lui son argent. Remboursez son argent. C'est quoi le problème? Attendez. Je vous remets votre argent, madame. S'il vous plaît. Oumo, tu vas lui remettre son argent. Mon ami, remets-lui son argent. Mon frère. Dinena. Mon frère, tout va vraiment mal. Comme tu nous vois en ce moment, les choses vont vraiment mal. Tu vois ce à quoi on ressemble actuellement? Nous sommes aussi pauvres que des rats d'église. Je t'assure. Le pire, c'est que nos débiteurs ont refusé de nous payer. Mon frère, les choses sont vraiment dures. Apparemment, c'est sérieux. C'est très grave. On ne sait pas ce qui se passe. On dirait que les gens de notre village nous pourchassent. La sorcellerie est en train de nous atteindre. Dinena est idiot fort. Vous savez que l'aide n'est jamais bien loin de ce qu'ils cherchent avec diligence. Si indéniable. Ouais. Même la Bible déclare « Cherchez et vous trouverez. » Frappez et on vous ouvrira. Demandez et on vous donnera. C'est bien vrai ce qu'il dit, non? Mais vous voyez, je vais vous aider tous les deux. Oui, je le ferai. Mais cela sera un peu difficile. Difficile? Difficile? Qu'est-ce qui pourrait être plus difficile que cette situation? Mais nous, on veut comprendre. Ce n'est même pas à comparer. Ce qu'on traverse est plus bien plus dur. On va devoir... rentrer à pied au village. Guidez fort. Guidez-moi. Je voudrais que vous rentriez chez vous, histoire de vous préparer. Je vais vous emmener quelque part. Préparer? On est... Mais on est déjà bien habillé, non? Non. Prenez votre temps. Allez vous préparer. Ok? Pendant 40 jours et 40 nuits. Je me demande. Je comprends pas, là. Pas de problème. Dites au fond et dites non. Drôle d'ami, hein? C'est pas drôle, mon frère, c'est vraiment pas drôle. Bonjour à ma voisine. Voisine. Comment tu vas? Bonsoir. Bon après-midi. Voisin. Comment est-ce que tu vas, non? Comment va le boulot? Par la grâce de Dieu, je vais bien. Excepté le fait que ma voiture a commencé à me créer quelques petits soucis. À part ça, ça va. Ça doit aller, peu importe ce qui arrive. Alors, comment va le marché? Je me bats comme je peux. Ah, s'il te plaît, donne-moi du pain avec un jus. Je te donnerai l'argent demain. Tonton Ibuka, je n'ai pas de pain à donner. Je n'ai pas de jus à donner. Désolé. Ça veut dire quoi, tu n'as pas de pain, tu n'as pas de... Mais voilà le pain que je regarde qui me regarde aussi. Le jus est dans la glacière. Et tu dis que tu n'as pas de pain et tu n'as pas de jus? Comme tu vois tout ça là, hein? C'est déjà réservé. Je n'ai pas de pain à donner, je n'ai pas de jus à donner non plus. Désolé. Le pain est-il devenu une chambre d'hôtel qu'on doit réserver?
Parce que je t'ai dit que je te donnerai l'argent demain. Regardez comment sont les êtres humains. Le pain. Maintenant, il faut le réserver. Ton pain. Je n'ai pas de pain. Je n'ai pas de jus. Je n'ai rien. Ah, c'est obligé? T'inquiète pas, j'étais juste en train de blaguer. Elle va me tuer, celle-là. Je dis que je n'ai rien. Ah ah, qu'est-ce qu'il y a? Ta femme me doit de l'argent depuis 3 mois. Si elle me voit maintenant, elle va fuir. Je ne comprends pas. C'est quoi tout ça? Je ne veux pas. Ok. Combien est-ce que ma femme te doit? 3 000 naira. 3 000 naira. Seulement. 3 000 naira? 3 000 naira, c'est beaucoup. Et 3 000 naira, ce n'est pas aussi assez. S'il te plaît, donne-moi de l'eau glacée, je t'en prie. Il n'y a pas d'eau glacée. Laisse-moi te donner de l'eau simple. Attends un peu, voisine. C'est de l'eau chaude que tu veux me donner? Hey! Voisine, voisine. Avec cette canicule, donne-moi un peu de l'eau fraîche afin que je puisse rafraîchir ma conscience. Qu'est-ce qui va pas avec toi? Tu veux me donner de l'eau chaude? Pourquoi ne crains-tu pas Dieu? Et le dimanche, tu vas porter une grosse Bible. Et tu iras à l'église. Tu diras que tu es chrétien. Pourtant, tu ne peux même pas avoir un peu d'humanité. Donne-moi de l'eau et tu veux me donner de l'eau chaude. Est-ce que je ressemble au Gary? Les mendiants n'ont jamais le choix. Les mendiants n'ont pas de choix. Les mendiants n'ont pas de choix. Écoutez ce qu'une personne peut dire. Puis le dimanche, tu vas porter une grosse Bible sur ta poitrine et tu iras à l'église et tu vas pas te vanter d'être chrétienne. Pas de crédit aujourd'hui. Je n'ai pas de crédit aujourd'hui. Passe demain. Si tu ne veux pas, prends ça. Anlele. Oya. Moi, Anlele. Moi, Anlele. Elle a crainte de Dieu. T'as suivi? Et après le dimanche matin, on va te voir avec une grosse Bible et une longue jupe que tu vas à l'église. Pourtant, tu ne crains même pas Dieu. Tout ce que je te demande, c'est de l'eau glacée qui est ici. Regarde. Enlève tes pattes. Rentre chez toi. Dieu existe. On te donne de l'eau propre. Monsieur veut boire ce qui est sale. En plus, il prend ses mains pour toucher ma marchandise. Il n'y a pas de crédit. Tom, qu'est-ce qu'il dit, non? Il ne dit rien de compréhensible. Il parle juste en langue étrangère. Calme-toi. Ok. Vous serez informé en temps opportun. Mais il n'a rien dit depuis que nous sommes arrivés. Vous trouverez ce que vous désirez. Mais souvenez-vous que chaque désir vient avec un prix. Le grand Andizar a décrété que votre demande sera approuvée, mais le prix à payer sera conséquent. Ah! Quel prix? Dites-nous, quel qu'il soit, nous allons le payer. Vous devez apporter un bébé d'un jour à cet hôtel. Oh, Jésus-Christ. Mon frère, où diable allons-nous trouver un bébé d'un jour? Comment? Hein? Où? Je ressemble à une femme qui va bientôt accoucher ou quoi? Pourquoi il nous demande l'impossible? Vous voyez, le moins possible n'existe pas dans mon vocabulaire. Le poisson qui vit dans l'eau se fait aussi cuisiner dans l'eau. Je vais vous aider tous les deux à accomplir votre tâche. Comment?
Je vois une source d'approvisionnement. Je peux vous aider à voir n'importe quoi. Je vais dire tout ce que vous avez besoin. Ah. Cette personne, elle est quoi? Un dieu ou quoi? Life, full of mysteries, stories and memories, peace, love and tragedy, all in one food. Love we got, heads we got, stories begun, we just have hope. Oh life, enriching pain. Oh life. Ebuka. Qu'est-ce qui est arrivé à ta fille? J'attendais ton retour. Regarde ce que ta femme a fait à ma fille. Regarde son visage. Tu vois? C'est ma femme qui a fait ça? Oh, tu me demandes? Non, c'est la mienne qui l'a fait. Tu me poses la question? Non, attends, regarde le bras de ma fille. Regarde ce qu'elle lui a fait. Hey! Hey! Ebuka! Monsieur? Si seulement je n'avais pas été là, elle aurait certainement... Tu es, tu vois, à cause d'une facture d'électricité. Une facture d'électricité, Ebuka. Elle est incapable de payer une facture d'électricité. Ebuka, préviens ta femme. Préviens ta femme, s'il te plaît. Je t'en prie, préviens-la. Que cela soit la première et la dernière fois que cela arrive. Viens, ma fille, viens. Allons-y. La prochaine fois, elle aura de mes nouvelles. C'est quoi ce genre de vie? All in one food, love we got, heads we got, stories begun, we just have hope. Comment tu rentres à la maison comme un homme qui a perdu tous ses biens? Qu'est-ce qu'il y a? Parfois, j'ai souvent l'impression que la vie est contre moi. Ah. Je ne suis pas d'humeur pour tes longs discours. Qu'est-ce qu'il y a, Ebuka? Oh, Guinée, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui s'est passé? Mon bus. Il a quoi, ton bus? Il est encore tombé en panne. Comme d'habitude. Qui veut dire? Va voir le mécanicien, il répare comme d'habitude. C'est ce que j'étais sur le point de t'expliquer. Le mécanicien a dit qu'il n'est plus réparable. Ah. Jette-le alors. Va, Umbuka. Amène ça, Umbuka. Hey, ce n'est pas ce qu'on fait avec les voitures qui sont irréparables. Alors, c'est tout ce que tu as à dire. Je dois amener ma voiture chez Umbuka. Mon unique source de revenus, je dois l'amener chez Umbuka. Non, mais écoute ce que tu es en train de dire. Attends un peu. Tes mains sont vides. Oh, Guinée, où sont les habits que tu étais censé m'acheter aujourd'hui? Qu'est-ce qui va pas chez toi? On t'a couché avec de l'urine ou quoi? Non, mais c'est quoi cette question stupide? Hein? Je te dis que ma voiture est tombée en panne et le mécanicien m'a dit... Hey! Ogini, ne m'insulte pas. Tu as dit que tu allais m'acheter des habits en rentrant. Où sont les habits que tu as achetés? Je suis stupide. Je suis stupide et tu m'as épousée. Mon gars, reviens ici. Qu'est-ce qui te prend? Hein? Tu penses que je blague avec toi? Vicre, donne-moi les habits. Regarde-toi. Tu es malade? Sommes-nous arrivés à ce point? Voisin! Idiot! Voisin! Tous ceux qui connaissent cette femme viennent la prévenir. Je vais te broyer en mille morceaux. Tous ceux qui connaissent cette femme viennent la prévenir. C'est quoi ton problème? Est-ce que je suis le seul mari ou le seul homme marié de cette concession? Ebuka, tu es le seul et unique homme marié inutile de cette concession qui a refusé de prendre ses responsabilités. Tu es le seul. Regarde-toi. Tu devrais avoir honte de toi. Si j'étais à ta place, je me cacherais de honte. Tu es inutile. Bien. Non, tu es très utile. Tu as deux mains. À quoi est-ce qu'elles te servent? Voilà la seule chose que tu sais faire d'elle. Tenir ce machin. Est-ce là la seule chose que tu sais faire de ses mains? Tenir ce machin-là. Tu es venu me chercher chez mes parents pour que je devienne ta domestique, n'est-ce pas? Ou pour que je devienne ta source de revenus? Regarde-toi, espèce de fainéant. Tu vas me tuer aujourd'hui. Si tu ne me donnes pas ces habits, on va mourir ici.
Donne-moi les habits, oh. Sinon tu verras ce que je vais faire. Je vais attraper ça et les découper maintenant. Tu vas les décrocher. Donne-moi l'argent ou tu me donnes les habits. Tu vas les décrocher. Ok. Alors si je... Tu vas les décrocher. C'est la seule chose que tu connais. Tu vas les décrocher. Okay. Mon bus est irréparable. Tu veux que ceci aussi soit irréparable? Okay. Tu veux qu'il soit irréparable? Allez, s'il te plaît, chérie. Et puis quoi? Et Bouka, donne-moi l'argent. Allez, chérie, arrête ça, s'il te plaît. Qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi? Nous allons trouver un arrangement, non, bébé? En quoi ça me concerne? Je promets. Les voisins, les voisins. Je te le promets, bébé. Ok. S'il te plaît, arrête de dire tes méchancetés. Ah, je n'ai pas dit pour le pire. J'avais dit pour le meilleur. Tu as dit même le pire, non? Oui, pour le meilleur. Je me souviens que le jour de notre mariage, tu étais très souriante. Ce n'était pas moi. Tu étais si contente. Ok. Tu étais même en train de danser de part. Hein? Chérie, regarde, les voisins sont même en train de nous regarder. Qu'ils regardent. Yes. Oh, ça ne me concerne pas. Souviens-toi. Donne-moi l'argent. Ina, Chena, Bama. Donne-moi l'argent. Donne-moi l'argent. S'il te plaît, chérie. Ma voiture est en panne, c'est mon engin qui va résoudre le problème. Que ton engin résolve le problème. Donne-moi l'argent. Est-ce qu'on peut aller à l'intérieur? Pour faire quoi? Allons, non? Je suis vraiment désolé. Désolé pour quoi? S'il te plaît, ne fais pas ça. Allons à l'intérieur, on va régler ça là-bas. Mais allons-y, non? Ouvre la porte. Allons-y. Viens, suis-moi, viens. Allons-y. Mais qu'est-ce qui nous arrive? Hein? Pourquoi cette calamité s'abat sur nous? Qu'est-ce qu'on a fait? Tous les jours, un nouveau problème nous tombe dessus. Pourquoi? Si on reçoit une mauvaise nouvelle, on va recevoir une autre. Tôt ou tard. Ça vient juste l'une après l'autre. Pourquoi? Moi aussi, je suis très confus. Je ne sais même plus à quel saint m'avouer. Tu es sûr que la proposition de ton ami va marcher? J'espère juste. Honnêtement, j'espère que ça va marcher. Parce que je ne suis pas prêt à retourner au village. Ne pense même pas à ça. Je suis pas prêt à retourner dans la pauvreté. N'y pense même pas. Dieu nous en garde. Donc, je vais regarder la pauvreté et elle va me regarder. On va se causer l'un à l'autre. Que Dieu m'en préserve. Au grand jamais. Gozi, ça va aller. Ce n'est pas la fin du monde. Ma sœur, regarde-moi. Bah, regarde. Regarde-moi bien. Est-ce que je mérite d'être ton amie? Est-ce que je mérite d'être considérée comme l'une de tes amies? Cet homme qu'on appelle Ibuka va me tuer un jour. Il me donne des maux de tête. On dirait que je vis en enfer. Un homme inutile, inutile, sans style. Mais calme-toi, ok? Tu es une femme mariée. Et ton mariage est encore tout jeune. Exactement. Dans le mariage, c'est la compréhension et la patience. Il y a toujours des épines sur les roses. Le fait qu'il ne tienne pas sa promesse aujourd'hui ne veut pas dire qu'il ne le fera pas demain. Essaye de te calmer. Il est certainement maudit alors. Non mais c'est évident, non? Parce que je ne comprends pas comment est-ce que j'ai pu épouser un homme qui est incapable de comprendre les plus petites joies du mariage. Les petites choses qui peuvent rendre quelqu'un heureux, il ne connaît pas. Et Bouka, donne-moi de l'argent. Je veux me coiffer. Non ma chérie, tu es très jolie comme tu es. Mais je dois écarter les jambes, matin et soir. Il pourrait même mourir à l'intérieur. Je ne sais même pas quel genre d'homme j'ai épousé. Oh, juste calme-toi. Donne-lui du temps. D'accord. Ok. Hélène, ça me rappelle. Mes conteneurs viennent d'arriver. Wow. Je te parle de leur brut, chérie. Wow. Maintenant, écoute bien. Il y a celui de 500 000. Uh-huh. Il y a celui d'un million. Et il y a celui de 3 millions et demi. C'est de l'or pur. Tu vas adorer. C'est oui, pile 3 millions 500 000 naira. C'est sûr que je vais aimer. Ah, excusez-moi.
Vous parlez de 3500 ou de 350 000? Non. Non, nous parlons de millions, ma chérie. 3 500 000 naira. Eh oui. Attends, pourquoi es-tu surprise? Je vais demander le divorce à Ebuka. J'en ai marre. Un million. Où est-ce qu'elle peut bien être? Et où est-ce que tu penses aller comme ça? Hein? D'où est-ce que tu viens? Pourquoi tu ne décroches pas mes appels? Hey, Ngozi. Regarde ta vie. Si ça ne te dérange pas, Ebuka, j'ai prévu de passer une nuit paisible à me reposer. Je suis fatiguée. Tu as perdu la tête? Je te demande où est-ce que tu étais? Pourquoi tu ne décroches pas mes appels? Et ça veut dire quoi? Tu vas aller te reposer? Tu n'as pas vu mes appels en absence? Ebuka, tu veux voir mon autre visage? Ce démon qui sommeille en moi que tu veux réveiller? Laisse-le tranquille. Parce que si tu le réveilles, cette maison ne pourra avant pas le contenir. Avant que tu ne réveilles ce démon, dis-moi pourquoi tu n'as pas fait de cuisine dans cette maison. Je rentre et... Tais-toi. Avant que tu ne quittes cette maison ce matin, en tant que marié qui est un peu sensé, qui est normal, tu as pensé qu'il fallait laisser de l'argent dans cette maison? Oh, tu as laissé un bœuf, une chose inanimée, ta chaise, ta télévision, n'est-ce pas? Pardon, dégage, fais-moi passer. N'importe quoi. Mon milkshake. Bonjour, vous voulez un taxi? Où allez-vous, monsieur? USBS. USBS, à quel niveau? Hillview, plus précisément. Oh, Hillview. Mais je vais passer par SGC. Aucun problème. Ah, d'accord, monsieur. Aucun problème. Est-ce que vous avez de la monnaie? Oui, j'en ai. Ok, par ici. On va? Ouvre la portière. Entrez, monsieur. Non, mais c'est toi qui devrais t'occuper des clients. Tu me déranges avec ta voiture, si je vais te laisser avec et ça. Et ben, tu n'as qu'à laisser. Tu me déranges trop. C'est idiot qu'on essaie d'aider. Pardon, allez-y, attends. Monsieur, ne faites pas attention à lui. Hey. On ne peut rien te confier. T'as que deux clients depuis le matin. Non, mais t'es quel genre de personne? Ce n'est que notre premier voyage. Quand tu me déranges aussi trop, ce ne sont pas les passagers là-bas. Quel passager est-ce que tu as mis? Alors tu veux laisser tomber, je verrai qu'il mourra de faim. Non, mais regarde-moi cet idiot pardon, qu'on essaie d'aider. Moi. Ok, très bien, je vais partir sans toi. Puisque tu connais tout, je m'en vais sans toi. Vu que tu connais absolument tout, tu n'as encore rien vu. Allez, dégage de cet endroit. Vous pouvez descendre. Merci. Combien est-ce que je te dois? 500 naira. Bien. Payez-moi, s'il vous plaît. On va.
Obim, hey. Bonne arrivée. Milkshake. Comment tu vas? Je vais bien. Comment était la journée? Si tu sais ce qui m'est arrivé au garage aujourd'hui, t'auras vraiment pitié de moi. Mais de toute façon, j'ai vraiment faim. Apporte-moi quelque chose à manger. D'accord. Obim. À qui appartient cet attaché case? Je l'ai trouvé dans mon bus et c'est certainement un de mes passagers qui l'a oublié. Vu que personne n'est venu demander à le récupérer, alors je l'ai ramené à la maison. Je suis sûr que demain, le propriétaire viendra le chercher. Tu l'as ouvert? Comment voudrais-tu que j'ouvre une mallette qui ne m'appartient pas? Tu veux dire que tu ne l'as pas ouvert? Tu as trouvé un attaché case que quelqu'un a oublié dans ton bus. Tu n'as même pas cherché à l'ouvrir, tu l'as juste ramené à la maison. Ah ah, oh bim! Et si ce qui se trouve à l'intérieur est une bombe ou une malédiction? Tu dois l'ouvrir. Tu es sûr que... Tu dois l'ouvrir. Tu ne peux pas juste ramener ça à la maison comme ça. Tu as peut-être raison. Obim, ouvre ce truc. Mais ouvre-le. Moi, tu crois que c'est une mallette complètement scellée. Je dois devoir l'analyser avant de l'ouvrir. Ouvre-le. Seigneur. Où est-ce qu'il est encore passé? Obim, j'étais en train de te chercher. Où étais-tu passé? J'étais en train de me soulager, mais j'ai mis plus de temps que prévu. Obim, attends.
Avant que tu ne manges ta nourriture, j'aimerais discuter de quelque chose avec toi. Ah, ça ne peut pas attendre? Non, ça ne peut pas attendre. C'est plus important que cette nourriture. Qu'est-ce qui peut être plus important que cette nourriture? Obim, c'est à propos de l'argent que tu as ramené à la maison. J'aimerais qu'on en parle. Comment allons-nous l'investir? Qu'est-ce que nous allons faire avec? Hein? Je voulais juste te demander. En bonne épouse que je suis. En bonne épouse. En tant que femme intelligente. Femme intelligente. Mon milkshake à moi. Ma charmante épouse. Comme ça, tu réfléchis comment investir l'argent d'autrui. Combien de fois est-ce que je t'ai dit que cet argent ne nous appartient pas? Quelqu'un a oublié cet argent dans mon bus et il reviendra certainement le chercher. Nous allons, en fait, nous devons remettre cet argent. Attends un peu, Ebuka. Quand tu l'as dit, je pensais que tu blaguais. Non, attends, Ebuka. Quel genre d'homme est-ce que tu es? Dieu t'envoie une manne tombée du ciel et toi, tu veux t'en débarrasser aussi facilement, Ebuka? Dieu nous en préserve. Hein? Ebuka, tu dois investir cet argent. C'est quoi ton problème? Est-ce que tu as fini? Quand tu auras fini de râler, mets-toi dans la tête que nous devons remettre cet argent. Et quand tu auras fini de manger cette nourriture, rejoins-moi dans la chambre. Parce qu'on va parler de comment investir cet argent, Ebuka. Si on t'avait vendu au village, dis-leur que moi, Ngozika, j'ai encore tous mes sens. Regardez-moi ça, n'importe quoi. Au lieu de réfléchir comment me donner à manger afin que je puisse prendre le poids, elle réfléchit comment investir sur l'argent de quelqu'un d'autre. Ebuka! 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 Hi! Ebuka! Donc c'est ici que tu cachais cet argent depuis tout ce temps? Giovannissi! Hi! Oh, lorsque je disais que j'allais remettre cette mallette, tu pensais que je plaisantais? Bien! Il est dangereux, très dangereux de laisser son igname au milieu des chèvres. Des chèvres! Hey, Ebuka, tu m'as traité de chèvre? Non, attends, tu m'as traité de chèvre? Je ne t'ai pas traité de chèvre. Et tu viens juste de me traiter de chèvre.
Tu viens de me traiter de chèvre. Je ne t'ai pas traité de chèvre. Comment est-ce que je pourrais te traiter de chèvre, toi, ma femme? Mais tu m'as traité de chèvre. Non, tu viens juste de me traiter ce n'est qu'une parabole. Je voulais juste te faire comprendre une image. Comment pourrais-je te traiter de chèvre, mon milkshake? Tu viens juste de me traiter de chèvre. Bébé, je suis désolé, bébé. Excuse-moi. Je suis désolé. Désolé, mon milkshake. Mon milkshake à moi. Je peux partir maintenant? Obim, attends un peu. Tu es trop pressé. Calme-toi. Obim. Hey. Mon amour. Mon cher mari. Écoute. L'argent qui est dans cette valise. Hey, c'est trop. Tu sais que nous l'avons compté ensemble. Attends un peu. Tu n'as pas besoin d'aller rendre la totalité. Tu peux rendre l'argent. Mais juste 2 liasses. 2 liasses seulement. Juste 2, hein? Avec ça, on pourra quitter cet endroit. Regarde-moi cette concession. Est-ce que tu es heureux de vivre ici? Même ton travail de chauffeur de bus. Tu vas arrêter ça. On aura de magnifiques enfants dans une très belle concession. Juste 2 liasses. Juste 2. Juste je ne dois pas tout emporter. Juste 2 liasses. Oui. Juste 2 seulement. Combien de fois est-ce que je t'ai dit qu'il faut absolument que je ramène cette mallette? Ne connais-tu pas le dicton qui dit « Le fruit de l'honnêteté, c'est la bénédiction de Dieu. Attends le temps de Dieu. Le temps de Dieu est le meilleur. » Comment est-ce que tu vas à l'église, mais pourtant tu n'y apprends rien là-bas? Ceci ne nous appartient pas. Tu me demandes d'enlever 2 liasses. 2 liasses, mon œil. Est-ce ton argent? Est-ce que c'est ton argent? Ça t'appartient? Est-ce que c'est ton bus? C'est le bus de mon mari. C'est le bus de mon mari. Ah. Hey, Ebuka. Pourquoi es-tu aussi stupide? Pourquoi es-tu aussi idiot? Parfois, je me demande pourquoi est-ce que je t'ai épousé. Juste 2 liasses, mais tu refuses. Tu vas aller tout rendre. Dis-moi un peu, quel genre d'adulte qui a un peu de bon sens? Le bon sens que tout le monde a peut remettre ce genre d'argent. Dis-moi. Est-ce que tu es bête? Pourquoi tu refuses de réfléchir? Parfois, tu me fais honte. Laisse-moi te dire quelque chose. Si tu remets cet argent, hein, mets-toi en tête que cette maison ne pourra plus... En fait, je vais raconter à tous les voisins et à tous ceux qui veulent l'entendre que tu es un voleur. Un voleur qui n'a même pas honte. Voisin! Comme ça, tu diras au voisin que je suis un bandit. Oh, ta voix est très basse. Attends, je vais t'aider. Voisin! 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 Oh! Venez-vous! Non, laisse-moi dire au voisin que ton mari est un bandit. Mon mari n'est pas un voleur. Hé, hey, Obim, calme-toi. Hé, hey, toi aussi. Tu chauffes trop. Je blaguais seulement. Tu plaisantais. Je blaguais seulement. Non, je suis pas un bandit. Non, ah, hein? Mon mari n'est pas un voleur. Mon milkshake à moi. Milkshake à moi. Je vais ramener cette mallette. Ebuka, si tu remets cet argent, hein? Ok, tu reviendras me trouver ici. Tu viendras me trouver ici. Cette maison ne pourra pas nous contenir. Je vais t'en faire voir de toutes les couleurs. Homme inutile. Je t'aime. Je te déteste. Idiot. Milkshake à moi. Va et reviens me trouver ici. Tu as le lait, tu le sais combien. Mon milkshake à... Homme inutile. Hey, ma chérie. Je suis fatiguée de cet homme. Je suis fatiguée. Je ne sais pas si on l'avait maudit et condamné à la pauvreté. Peux-tu imaginer ce qu'il a fait? Es-tu sûre de ce que tu viens de me dire? Allez, Linda. Tu me connais depuis longtemps, non? Je ne peux pas te raconter d'histoire. Je te dis ce qui s'est passé. J'ai vu cet argent avec mes 2 yeux. Tu veux dire qu'il a remis la mallette d'argent à son propriétaire? Ah. Comment suis-je censée savoir? Je ne sais pas. Je l'ai simplement vu partir avec la mallette. Calme-toi. Est-ce que tu peux confirmer qu'il a bel et bien remis la mallette? Je viens de te dire. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais rien du tout. Hein? Je n'avais qu'une envie, c'était de le frapper sur la tête. Pour qu'il puisse retrouver ses esprits. Qu'est-ce que je fais maintenant? Rien du tout. Absolument rien du tout. Hey. Parce que ton mari a déjà certainement remis la mallette à son propriétaire. Tu sais quoi? Je pense que tu devrais oublier tout ça et continuer de vivre ta vie. Hein? Mais pour être franche, ton mari aurait dû t'écouter. Hey, dans quoi est-ce que je me suis embarquée? Mais maintenant que j'y pense, tu peux avoir raison, oh. Raison à propos de quoi? Ton mari est certainement condamné à vivre pauvre pour le restant de sa vie. Je rejette ça. Pouah! Moi, Ngozika, je refuse de rester avec un homme stupide et destiné à la pauvreté comme Ebuka. Ça n'arrivera pas. Moi, reste avec lui.
S'il a signé un pacte avec le diable ou je ne sais quoi, ce ne sera pas avec moi. Je ne resterai pas avec lui. En fait, moi je m'en vais. On se voit plus tard, Biko. Il faut bien ranger là-bas. Ah ah. Le numéro ne passe pas. Ah ah. Tu es sûr qu'elle viendra? Tout comme je suis sûr que le soleil brille à midi et la lune la nuit. Soyez patient, elle sera là bientôt. Elle a intérêt à venir, parce qu'on ne peut pas se permettre d'échouer. Hein? Après tout ce qu'on a traversé là. Oh. Hey. Oh, te voilà enfin. Pardon, je suis vraiment désolée de vous avoir fait attendre. J'étais bloquée dans les embouteillages. Bien. Tout compte fait. Tes excuses sont acceptées. Oui. Tu vois, voici mes amis. Ils sont à la recherche d'une âme pure, fraîchement arrivée sur Terre. Une âme pure? Qui vient de naître? Bien entendu. Je jure sur tout ce que j'ai de plus cher au monde. J'ai vu la mallette en question, je ne mens pas. Je ne mens pas. J'ai vu la mallette. Ensuite, je l'ai amenée chez moi. Vous savez, je l'ai amenée chez moi. Je ne l'ai pas mis à l'intérieur, là où je range mes affaires. Je l'ai rangé tout près de ce lit. C'est pourquoi je suis là. Allez à l'intérieur et ramenez-moi la mallette. Vous parlez de cette mallette en or, monsieur? Monsieur, la mallette en or, non? Je l'ai placée ici. Vous savez, tous les matins au réveil, avant même d'aller embrasser ma femme, je vérifie d'abord que la mallette est en place parce que le propriétaire ne va pas du tout rigoler. J'ai veillé sur la mallette. En fait, la mallette est devenue l'une des choses les plus importantes. Mais l'une de mes... Monsieur? Il est évident que quelque chose cloche ici. Monsieur, vous partez? Hey! Mon beau-frère. Dieu est témoin que tu es un gars gentil. If I no get money, no waiting I get no. City, never sweet no. Dalinda, sweetheart, in our weather. Never sweet no. Never in my life.
Non, je suis pas arrivé. Je suis encore à la maison. Où est le bus? Oh. Où est le bus? Et c'est à moi que tu demandes ça. Personne n'est venu réclamer quelque chose ici. Une personne? Non. Un animal. Personne n'est-il venu réclamer quelque chose ici? Moi, j'ai vu personne. Tu parles de qui? Lors du dernier voyage, quelqu'un a oublié quelque chose dans la voiture. Est-ce qu'on n'est pas venu chercher quelque chose ici? Non. Personne n'est venu réclamer quelque chose? Mais moi, je pensais que tu ne venais pas aujourd'hui. Je vais te baffler, Imo. Je t'ai déjà dit que lorsque je te pose une question, va droit au but. Quelqu'un est-il venu chercher quelque chose, oui ou non? J'ai dit que je n'ai vu personne, c'est non? Simple. Tu disais quoi d'abord? J'ai faim. Si tu ne venais pas aujourd'hui, la faim allait tuer quelqu'un. Puisse la faim te crever. Bonjour mon pote, bonjour. Je comment sais à chaque fois que je te vois, je sais que la journée sera très belle. Comment tu vas? Je vais bien, comment tu vas toi? Je vais bien. S'il te plaît, hein, quelqu'un serait-il venu dans notre garage disant qu'il cherche quelque chose? Pas que je sache, non. Eh bien, parce que lors de notre dernier voyage, quelqu'un a oublié quelque chose dans la voiture. Et je suis surpris qu'il ne soit pas encore venu le demander. Qu'est-ce qu'il a oublié? Attends, dis-moi, c'est de la nourriture ou alors de l'argent? Tu ne viens pas de finir de manger des nouilles? Toi, tu veux seulement manger et prendre la taille. Non mais c'est quoi ton problème? C'est moi qui là-dedans. Non mais... Enlève ta main de ce sac. Attends, elle est où ta voiture? Ma voiture est en panne. Ah ouais? Mmh. Donne-moi l'argent. Attends, voyons, allez, donne-moi l'argent, papier, ici. Je comprends. T'as pas suivi quand je t'ai dit que ma voiture était en panne? M'as-tu vu avec une voiture? Donne-moi l'argent pour les frais de gardiennage ou pour les pneus. Je ne comprends pas. Et tu ne m'intimides pas. Les jeunes grandiront, c'est pas parce que t'es grand. Et pourquoi mes filles, ok? Non, toi, fais attention. Toi, fais attention. Je c'est quoi ça? Je viens ici travailler pour je toi. Je me fâche vite, tu comprends? Vas-y, énerve-toi. Te donner quel argent? Je t'ai dit tout à l'heure que ma voiture était en panne. Et tu veux que je te donne l'argent pour le gardiennage, peut-être? Alors, écoute, c'est moi qui sais ce garage. Et tu vas me frapper? C'est moi qui sais tout ce garage. Et alors, qu'est-ce que tu diriges? Allez. Tu ne viens pas aussi de manger des nouilles? Ok. Puisque tu n'as pas d'argent pour payer ta place, allez, fais-moi une avance. Demain, si tu travailles, alors tu compléteras ton argent demain. Que je dois te donner une avance pour demain? Oui. Madame, as-tu déjà payé ces nouilles? Dis-moi juste que tu veux de l'argent pour payer tes nouilles. Espèce de grand échec. Je pèse insulte. Et tu penses que c'est moi qui ai je pèse insulte. Ah, affiche-moi la paye. Demain tu vas me supplier. Donc, ça va être pour moi. Qu'est-ce qu'il y a dans ce truc que tu portes? Ma monnaie, s'il te plaît. Je ne peux pas continuer à tolérer ces bêtises. Ou même encore, vivre avec un homme qui a été maudit avec la pauvreté. Pas moi, Ngozika. Je refuse. Je dois trouver une solution. Oga Ebuka, que veux-tu que je fasse avec cette mallette? Nous n'avons pas de boutique stable ici. Et tu sais que ces marchandises sont stockées dans le magasin. Je le sais. Mais le problème, c'est que cette mallette ne m'appartient pas. Ça me fait du mal et je suis inquiet.
Comment est-ce que quelqu'un peut oublier quelque chose dans la voiture et ne songe même pas à venir le récupérer? Je comprends pas. J'espérais qu'il vienne le chercher pour que je sois enfin libéré. Pour que je sois enfin libéré. Hein? C'est pas comme si ça me plaît de venir garder ça ici. Non, 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 je n'aime pas ça. Je ne peux pas garder ça ici. Je sais ce que tu vas faire pour moi, s'il te plaît, hein. Je ne me sens pas très bien là, ma voiture est en panne. Si tu aperçois quelqu'un en train de chercher quelque chose, s'il te plaît, appelle-moi. S'il te plaît, n'oublie surtout pas. Si tu vois quelqu'un ayant l'impression de chercher quelque chose, s'il te plaît, appelle-moi. Je t'en prie. Ne t'en fais pas. Sans problème, je le ferai. Sans souci. Alors, surtout, n'oublie pas ce que je t'ai dit. Si tu vois quelqu'un ayant l'impression de chercher quelque... Avant qu'il le dise quelque chose, je vais t'appeler. C'est sans problème. Alors, c'est comment c'est-tu, d'accord? Je ne vais pas oublier. J'allais oublier. Comment va ta famille? Tout le monde va bien. Comment va ta petite sœur? Ils vont bien. Est-ce qu'elle est toujours bébé? Comment c'est dit, hein? S'il te plaît, n'oublie pas ce que je t'ai dit. Ne t'en fais pas. Si quelqu'un te cherche, je vais t'appeler. D'accord. Comment c'est dit, d'accord? D'accord. Prends soin de toi. D'accord. Bye bye. Ngozi? Depuis quand sort-elle avec les clés? Uche. Uche. Est-ce que tu as vu ma femme? Pardon, ne me pose pas ce genre de questions. Je ne suis pas la gardienne de ta femme. Personne n'a dit que tu étais la gardienne de ma femme. Tout ce que je te demande, c'est est-ce que tu as vu ma femme? Tu ouvres tes yeux comme si j'étais la cause de tes problèmes. Toi aussi. Life full of mysteries, stories of memories, pains, love and tragedy, all in one food. Love we got, hate we got, stories begun, we just have hope. Ah, Uche. Tu fais ta lessive? Amaka, tu es rentrée? Je suis de retour. Attends d'abord, je viens te dire quelque chose. C'est arrivé. Qu'est-ce qui est arrivé? Madame, je sais tout est parti. La femme de Bouka l'a finalement quittée. Comment tu sais tout ça? Amaka. J'étais à la maison quand je l'ai vue. Elle est partie avec son gros sac. Si tu voyais sa face, si tu voyais son regard et la façon dont elle maugréait. Je savais que ça allait arriver un jour. Quand les deux passaient leur temps à manger leur poisson brisé. Il fallait la voir se vanter. Oh, maintenant qu'il n'y a plus de poisson brisé, ils se battent. Ils se vantaient. Pardon, laisse-moi je rentre. Je vais continuer avec moi. Stories of memories. Ah, voisine. S'il vous plaît, est-ce que vous avez vu ma femme? Ta femme? Je ne l'ai pas vue. Comme tu peux le voir, c'est mon retour du travail. Comment ça, personne ne l'a vue? Je demande juste parce que je suis rentrée et j'ai trouvé la porte fermée. Et elle n'a même pas laissé les clés. Ok, Bouka. Pourquoi me poses-tu toutes ces questions? Dis-moi une chose. Suis-je la gardienne de ta femme? Attends. Pourquoi ne l'appelles-tu pas au téléphone pour lui demander? Pardon, je n'ai pas... C'est ça le problème. J'ai essayé de l'appeler, mais vous savez,
Je n'ai pas d'unité dans mon téléphone. J'aime m'emprunter, mais je ne serai pas capable de le rembourser, s'il vous plaît. Puis-je l'appeler avec votre téléphone? Hey, mon téléphone. Appelez ta femme. Tu n'es pas sérieux. Non. Pardon. Non, non, je n'en ai pas pour longtemps. Où est-ce que tu es? Je vous remets le téléphone. Pardon, excuse-moi. Voisine, je vous en prie. Tout ce que je vais lui demander, c'est où est-ce que tu es? Et ensuite, je vous remets votre téléphone. Où est-ce que tu es? On n'en aura même pas pour 3 secondes. Ok, laissez-moi lui faire un bip. Voisine. Voisine. Life full of mysteries, stories and memories. Peace, love and tragedy, all in one food. Mon frère, tiens, c'est tout ce qu'on a. Merci. Mon frère, il faut que tu te calmes. Hein? Hein? Essaye de te calmer. J'ai vu ta femme. Elle est partie ici. Oui, mais c'est comme si elle est sortie et elle est revenue. Mais je ne suis pas sûre qu'elle était vraiment... Je n'ai pas bien vu ce qui s'est passé. Mais ne t'inquiète pas. Calme-toi, hein? Quand la nuit viendra et qu'elle n'est pas rentrée, là tu devras t'inquiéter. Calme-toi. Tu sais que tu es même d'abord un bel homme. Regarde son visage. Hein? Tu n'as toujours pas d'argent? Vérifie, vérifie. Merci. 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 Life full of mysteries, stories and memories, peace, love and tragedy, all in one food. Love we got, hate we got, stories begun, we just have hope. Contre moi. Et je ne peux pas prendre ce client. Pedro ne sera pas content de moi. Je ne sais pas ce qui retarde l'accouchement de ces femmes. Ah, mais l'une d'entre elles doit accoucher aujourd'hui. Oui. Madame, tout va bien? Tout va bien. Pourquoi vous demandez? Je vous ai entendu vous parler à vous-même. Et puis, vous avez l'air inquiète. Je me suis dit que peut-être quelque chose n'allait pas. Non. Tout va très bien. Allez-vous-en. Madame, y a-t-il quelque chose que je puisse faire? Je sais que vous pouvez y aller. Hein? Je te renvoie dans la maison de ton mari. Ça, c'est la maison de mon mari. Donc, rentre dans la maison de ton mari. Maman, tu es sérieuse? Parfois, je me demande si c'est moi qui t'ai accouchée. Maman? Tu n'écoutes pas les conseils. Qu'est-ce que tu racontes? Pourquoi est-ce que tu prends toujours le parti de Bouka, même quand il a tort, maman? Ok, maintenant, dis-moi. Quel droit est-ce que Bouka a de remettre cet argent? Quel droit? Dis-moi. Je fais ce que je fais parce que je ne veux pas que tu prennes une décision que tu vas regretter. Tu sais que Bouka est un homme bien. Un homme honnête et beau que Dieu t'a donné. L'argent, ce n'est pas tout. La Bible dit dans Timothée 1, chapitre 6, verset 10, que l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Maman, tu mens. Toujours dans cette même Bible dont tu parles, il est également écrit dans Ecclésiastes 10, verset 19, que l'argent répond à tout dans ce monde. Hé hé! Elle est
Regardez-la, regardez celle qui cite la Bible. Donc, toi et moi, on fait déjà un concours de citations bibliques. Hey, ils le disent même dans la parole de Dieu. Écoute, tu ne peux pas me parler de l'église. Je me fie à la parole de Dieu qui dit, dans le livre de Matthieu, chapitre 19, verset 6, une femme doit rester aux côtés de son mari jusqu'à ce que la mort les sépare. Georgia Bachala. Maman, ce que tu fais là n'est pas bien, oh. Cette même Bible dit qu'il y a un temps pour tout, maman. Maman, arrête de vouloir mon malheur. C'est quoi tout ça? Ça, c'est la maison de mon père. Je ne vis nulle part. Ah, où est-ce que tu veux que j'aille? Ah, est-ce que la Bible dit qu'une mère doit chasser sa fille? Je n'irai nulle part. Je vais rester ici. Hiya. C'est la maison de mon père. Je vais rester ici. Hé, hey, maman Ngozi, mmh? Désaltère-toi avec ce verre d'eau. J'avais vraiment soif. Naïmbo, sois la bienvenue. Tchaï. Merci, tu es très gentille. C'est bien frais. C'est tout à fait normal. Ce sont nos traditions ancestrales. Agatika Agene. Hey. Maman Ngozi, je ne suis pas contente de toi. Hein? Tu n'aurais pas dû la chasser de chez toi. Tu n'as pas bien agi. Hein? Ce n'était pas bien. Maman Ebuka, tu me connais très bien. Je ne supporte pas le faux. Et je n'aime pas le mal. Et je déteste vraiment le mal. Écoute, si je n'avais pas chassé cette fille de chez moi, je serais devenue un sujet de moquerie dans ce village. Et ensuite, je serais devenue un sujet de ragot. On allait dire que moi, Maman Ngozi, je soutiens le mal que ma fille fait. Tu voulais donc que je fasse quoi, si ce n'est de la chasser? Hein? Tu n'as pas bien agi. Tu n'as même pas bien agi du tout. Ça aurait pu être une bonne occasion de la faire entendre raison et de la ramener à la maison. Il fallait qu'elle retourne chez elle, c'est moi qui te le dis. Si jamais quelque chose lui arrive, c'est toi qu'on va blâmer. Oui, oh. Ce que tu dis est vrai. Mais qui va blâmer mes actes? Hein? Est-ce que tu es en train de me blâmer? Je ne te blâme pas, ma chère. Qu'aurais-je pu faire? Hein? Il fallait que je la chasse de chez moi. Je devais le faire pour laver mon nom. Il ne faut pas qu'elle le salisse. Pardon, il ne faut pas qu'elle vienne ici me couvrir de honte. C'est pourquoi j'ai fait ce que j'ai fait. Et j'ai bien fait. Maman Ngozi, je pense que ce n'était pas bien. Les gens parleront encore plus. Tcha 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 tcha. Tu n'aurais vraiment pas dû la laisser partir comme ça. Tu ne devais pas. Écoute-moi. Appelle-la. Vas-y, appelle-la. Appelle-la. Appelle-la maintenant. Appelle-la. C'est pour toi, oh. Maman Ebuka, tu sais que je ne veux pas faire ça. Il n'y a pas de problème. Si c'était quelqu'un d'autre, je n'allais pas faire ce qu'on me dit. Laisse-moi essayer essaie, de l'appeler. Essaie, ma chère, essaie. Les enfants d'aujourd'hui sont vraiment terribles. Je passe un coup de fil à cause de toi. J'aimais cet appel juste à cause de ce toi. Ce n'est pas grave. Même si c'est à cause de moi. Hmm? Ce n'est pas grave. Elle ne décroche pas. Ça ne sonne pas. Ça ne sonne pas. Essaie encore. Continue d'essayer. Life full of mysteries, stories and memories, peace, love and tragedy, all in one food. Love wake up, heads wake up, stories begun. We just have hope. Madame? Qu'est-ce qui s'est passé? On vous attend depuis. S'il vous plaît, calmez-vous, hein? Je cherche encore. Madame, êtes-vous au courant que le temps joue contre nous? Avoir une âme peur qui vient de naître n'est pas du tout facile. Mais vous avez accepté de faire le boulot. Faites-le, pas d'excuses. Ok, je vous livre dans 48 heures. 48 heures? Oui. Votre temps est compté. Faites-le vite, s'il vous plaît. Je le ferai. Life, love, mysteries, stories and memories, peace, love and tragedy, all in one food. Love wake up, heads wake up, stories begun, we just have hope. Oh life, oh life, oh.
ceci dans un lieu très sûr. Dans la penderie. Non. Quelqu'un peut très facilement la retrouver là-bas. Il n'y a vraiment pas de lieu sûr dans cette maison. Ou alors, en dessous de ce lit. Non. Attends, dis-moi, tu dis qu'il n'a pas encore payé? Quel est Boka? Celui-ci? Attends, dis-moi, comment se fait-il qu'il n'est pas encore payé? Hé, Boka! Hé, Boka! C'est qui? Allez, sors! Ah! Vu comme tu me demandes de sortir, il y a un problème ou quoi? Bonjour! Bonjour! Nous sommes là pour notre facture d'électricité. Tu es le seul qui nous doit encore. Non, mais Jideka, c'est quoi tout ce cirque? Est-ce la raison pour laquelle tu cognes à ma porte? Non mais regarde-toi, est-ce que tu es le propriétaire? Tu n'es que le concierge. Pourquoi est-ce que tu cognes ainsi à ma porte? On dirait que tu es un soldat ou alors un acteur. Qu'est-ce que tout cela signifie? Hein? Concierge, je te pose la question, qu'est-ce que tout cela signifie? Non mais vous ne pouvez pas débarquer chez quelqu'un très tôt le matin, la première des choses dont vous lui parlez c'est d'argent. Qui de nos jours garde encore l'argent à la maison? Concierge, pourquoi vous me regardez comme ça? Cet argent vous appartient? Est-ce que tu es le proprio? T'es qu'un simple concierge, tu fais comme si on ne te donnait pas ton salaire. C'est quoi tout ça? Vous débarquez chez moi pour m'écarquiller vos grands yeux. Et toi, c'est quoi ton problème? On ne doit plus venir te donner ta facture. Tu veux que NEPA vienne nous couper l'électricité? Et ta facture d'électricité? S'il te plaît, ferme ta gueule. Tu n'as absolument rien à me dire. Non mais regardez-moi celle-là. Concierge, quand est-ce qu'elle est arrivée dans cette concession? Hein? Ce n'était pas l'an dernier. Et elle ose même jacasser. Nous qui étions là lorsqu'on faisait ces fondations. As-tu une idée quand est-ce qu'on les a construites? Ça te concerne? Tu jacasses, on dirait que tu étais la propriétaire. Concierge, s'il te plaît, je t'en prie, lorsque tu viens cogner à ma porte, assure-toi d'être seul. Je n'ai rien à voir avec ton assistant. Est-ce que tu sais que si quelque chose ou un malheur t'arrivait, je serai le prochain concierge? Retourne à l'envoyeur. Retourne à l'envoyeur. Donc tu souhaites ma mort? Comment pourrais-je souhaiter ta mort? Je comprends pourquoi tu refuses de payer tes dettes. Ah non. Concierge, on n'en est pas encore là. Je ne parle pas à cause de ton état. Quand je te regarde, je vois deux choses. Tu me regardes et ton ventre aussi me regarde. Je ne sais même pas s'il est en santé. Hein? Au regard de tout ce que tu portes. Je ne sais même pas si tu auras une longue vie sur Terre. Voilà pourquoi j'ai dit que si quelque chose t'arrive, je serai ton successeur. Et ton assistante ne sera je plus rien. Je te souhaite plein de malheurs. Qu'est-ce que ça veut dire? Va à l'intérieur et... Qu'est-ce que ça veut dire? Tu me maudis déjà, je serai plein de malheurs. Apporte-moi l'argent. Ne me provoque pas. J'ai compris ce que vous avez dit. Les gens de nos jours ne gardent plus l'argent à la maison. Vous savez comment est cet endroit, hein? Pas de problème. Quand j'irai au boulot, vous n'aurez plus besoin de venir toquer à ma porte. Je viendrai directement chez vous et je vais vous payer ma facture d'électricité. Et c'est tout, vous n'avez pas besoin de venir toquer à ma porte. Je viendrai directement à votre porte et je vous donnerai de l'argent. Ah! Langue mielleuse. Hey. Écoute comment tu viens juste de tout décrire, comme si tu ferais ce que tu as dit. Je vais faire comme je dis, comme je vous l'ai dit. Hé, Bouka. Monsieur. Hé, Bouka. Monsieur. Débrouille-toi de tenir à ta parole. Je ferai comme je vous l'ai Paie dit. Paie cet agent. Pas de problème. Paie cet agent, Ebuka. Pas de problème. Eh bien, vous savez que dans votre état, là, faites attention à ce que vous Fais portez. Fais pas attention à lui. Faites attention à ce que vous agent. Portez. Tenez compte de votre condition. Faites attention à ce que vous portez. Non, mais regardez-moi celle-là. Regardez-moi la jupe qu'elle porte. Ne sait-elle pas qu'elle est déchirée? Elle marche avec la main à la hanche. Tu es fini. Tu comprends? Tu comprends? Stories and memories. Peace, love and tragedy. All in one food. Love we got, hate we got, stories begun, we just have hope. Life full of mysteries, stories and memories, pains, love and tragedy, all in one food. Love we got, hate we got, stories begun. C'est quoi cet endroit? Qu'est-ce qu'on fait ici? Ngozi, hein? Je t'ai amené ici pour que tu t'amuses et que tu te détendes. Tu as eu trop de m'amuser. Problèmes. M'amuser. Me détendre. Ici. Hey, Linda.
Ce n'est pas ça que je veux maintenant. Ce n'est pas ce qui me dérange en ce moment. Qu'est-ce que je vais faire avec l'amusement et le repos? Ah, je ne veux pas, s'il te plaît. Je n'en veux pas. Sérieusement, Gozi, je crois que tu dois penser à retourner chez ton mari. Hein? Est-ce que tu es sérieuse? Je veux partir. Ok, c'est bon, c'est bon. Laisse-moi partir. Laisse tomber. Je pensais que tu m'avais emmenée ici pour m'amuser. Hein? C'est bon. Ne mentionne plus jamais ce nom. Je n'ai aucun lien avec la pauvreté. D'accord. S'il te plaît, je suis sérieuse. Viens, on va s'amuser à l'intérieur. C'est quel mari stupide ça? Un stupide mariage. It depends on the beat.
vraiment désolée pour le retard. Ce n'était pas intentionnel. Mais je vais m'assurer de vous livrer aujourd'hui. Je vais vous livrer aujourd'hui. Hé, toi cette fille-là, hein? Pourquoi es-tu toujours en train de me suivre dans cet hôpital? Comme un esprit de contrôle. Je suis une sorcière. Je suis une autre partie. Madame, qu'ai-je fait pour mériter tout ce que vous venez de me dire? Je ne faisais que passer par là et je vous ai vu. Pourquoi avez-vous des paroles aussi méchantes? Es-tu la seule à finir dans cet hôpital? Hein? Pourquoi es-tu toujours en train d'envahir mon intimité? Madame, avec tout le respect que je vous dois, je n'ai jamais envahi votre intimité. Je ne faisais que passer par là. Mais si vous avez cru le contraire, alors je suis désolée. Qu'est-ce qui ne va pas chez cette femme? Linda. Nous sommes amis depuis des années. Et nous sommes toujours amis. Mais on est marre de dépendre de toi pour tout. S'il te plaît, je t'en supplie. Montre-moi comment gagner cet argent. Aide-moi. Hein? Je n'en demande pas beaucoup. Juste un peu. Je ne veux même pas avoir autant d'argent que toi. C'est beaucoup trop pour moi. Oui. Tu peux même diviser en 10 et me donner la plus petite partie. Ça me suffira. Du moment où je ne retourne pas dans la pauvreté. Du moment où je ne retourne pas chez ce mari inutile que j'ai. Personne ne se vante avec la pauvreté dans la vie. Personne. Je suis loyale. Et je resterai loyale jusqu'à l'éternité. S'il te plaît. Tu dois utiliser le temps comme un outil. Et non comme un lit. Je ne comprends pas. C'est le temps qui nous le dira. Life, a lot of mysteries, stories and memories. Jeune homme, que sais-tu de la mallette perdue? Je ne sais rien d'une mallette perdue. Je jure devant Dieu, je n'ai jamais voulu quelque chose. J'ai jamais rien voulu. Je jure devant Dieu, j'ai rien pris. Ce que tu veux me dire, c'est que tu ne connais rien de la mallette perdue? Je n'ai rien fait, Oga. Je jure, je n'ai rien fait, pardon. Dis-moi la vérité. Oga, pardon. Où est la mallette perdue? Oga, je ne connais rien. Pardon, Oga. Je vais te ramener en cellule. Pardon, Oga, je ne connais rien, Oga. Pardon, je ne connais rien. Silence, mon ami. Tu ne veux pas me dire la vérité? Pardon, Oga, pardon. Je vous jure devant Dieu, Oga, je n'ai rien vu, pardon. Donc, tu n'as pas vu la mallette? Je vous jure, Oga, je n'ai rien vu. Oga, pardon, vous pouvez demander à ma maman. Tu vas donc rester en cellule. Pardon, Oga. Juste parce que j'ai fini cette enquête. Oga, pardon. If I don't get money, now where did I get money? Jeune fille, cesse de perdre mon temps. Pourquoi es-tu entrée chez ton voisin et tu as volé sa mallette? Ibuka t'accuse de vol. Le jour de l'arrestation, tu es à la maison, pourquoi? C'est tout ce que tu peux me dire? Tu veux que j'utilise le courant sur toi? Je vais utiliser le courant sur toi. Quand je n'aurai fini avec toi, tu me diras la vérité. Jeune fille, parle. Mensonge. Personne ne peut m'intimider.
pas quand je connais mes droits. De plus, je ne suis pas toujours à la maison. Je venais à peine de rentrer chez moi et vous m'avez arrêté. Tu aurais pu entrer dans cette maison et voler cette mallette. Et tu viens jouer les innocents ici. Inspecteur, vous n'êtes pas juge. Envoyez-moi devant un tribunal compétent et je vous prouverai que je suis innocente. Oh, c'est ce que tu as à dire? Tu veux frustrer cette enquête? Inspecteur, c'est vous qui vous frustrez et vous faites des idées. Et maintenant, je veux parler à un avocat. Oh, tu veux me dire que tu connais tes droits, n'est-ce pas? Je veux parler à un avocat. On va voir ça. On va voir ça. Je ferai exactement comme vous l'avez demandé. Je suis sûr que cette fois, on aura des résultats positifs. J'étais avec eux il y a quelques jours. Et je suis sûr qu'ils sont prêts de finir leur tâche. Je suis sûr qu'ils sont au courant de ça. Mais par contre, ils se plaignent amèrement de la baisse intensive de leurs affaires. Et j'avoue que ça me concerne aussi. Dites-moi un truc, grand maître. J'ai peur de ne pas comprendre. Très bien, grand maître. Je leur transmettrai votre message. Merci, grand maître. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Mais cette femme a dit 48 heures. Ça fait 3 jours maintenant, hein? Je commence une nouvelle d'elle. Je commence à croire que cette femme... Je sais pas, peut-être qu'elle prétend faire des choses qu'elle n'arrive pas à faire. Attends. Chiquet. Ah, comment? À la maison? Ah. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, la police a scellé la maison. Quoi? Pourquoi? C'est quoi ces conneries encore? Allô? Oui? Que se passe-t-il? Quoi? Mon père? Quoi? Quoi? C'était là où il y a un accident. Où ça? Qu'est-ce qui... Mais qu'est-ce qui se passe? Mais, madame, qu'est-ce qui se passe avec vous? On vous attend depuis... Hein? Que se passe-t-il? C'est la voix de Bouka! Qu'est-ce qui se passe-t-il? Qu'est-ce qui ne va pas chez moi? Laisse-moi faire le travail! Je demande à ta fille de rester loin de cette mallette! De rester loin de cette mallette! Pourquoi n'as-tu pas dit à ta fille de ne pas toucher à cette mallette? Allez, allez, mets-moi ton boulot! Ne m'appelle pas! Ne me supplie pas! Ne me supplie pas! J'arrive! Je retrouve cette mallette! Je ramène cette mallette! Éloigne-toi de cette mallette! Éloigne-toi de cette mallette! Mais tu ne m'as pas...
pas écouté. N'importe quoi. Voleuse, faites votre boulot. Faites votre boulot, officier. Faites votre boulot. Allez, arrêtez la voleuse. J'ai vu ta femme aujourd'hui, tu vois? Elle s'offrait dans une boutique. Elle s'offrait tout ce qu'elle voulait qui se trouvait dans cette boutique. Tu as pris ton argent, tu as donné à ta femme. Elle est partie s'amuser avec ses copines. Tu en prends tout dans la boutique. Mon pote, j'aimerais tellement un truc comme toi. J'aimerais tellement donner de l'argent à ma femme, tu vois, pour qu'elle aille. Attends. Tu dis que tu as vu qui? Ta femme? Tu as vu ma femme? Où ça? Où est-ce que tu as vu ma femme? La boutique qui a... Où ça? Quelle boutique? Dans quelle quartier? Négoce boutique. Négoce boutique? Oui. Tu as vu ma femme? Je l'ai vu. Tu as vu ma femme? Oui, je l'ai vu. On y va, tu me mens. Attends. Allez, allons-y, va le moment. Non, tu as vu ma femme? Je ne suis pour rien, mais là, je ne suis pas montrer où tu as vu ma femme. Oui. Allez, croise tes pieds. Allez, hein. Et pourquoi? Allez, on y va, tu me mens ma femme. Va me montrer ma femme. Mais pourquoi? Mais calme-toi, mais qu'est-ce qui t'arrive? Je l'ai juste vu à la boutique, négoce. Laisse-moi partir. Devez garder le silence. Officier, arrêtez-la. Attendez, officier. Arrêtez-la. Ne me touchez pas. Je vais vous suivre, mais ne me touchez pas. Je sais marcher tout le temps. Arrêtez cette voleuse. Ne tenez pas. J'arrive. Je vais vous arrêtez suivre, vos vous êtes celle qui avait demandé à ma femme de voler la mallette. Elle a volé. Vas-y, dégage d'ici. Allez, toi-même, dégage. Surtout, dégage là. Dégage. Regarde comment il est sale. Regarde comme il est sale. Est-ce qu'elle t'a parlé de quelque chose comme ça? Eh bien,
Où amenez-vous l'enfant? Suis-je votre prisonnier? Savez-vous que c'est contre la loi de ce pays de... d'arrêter un honnête citoyen sans mandat? Répondez à ma putain de question. Où est-ce que ameniez-vous l'enfant? Ce bébé a été enlevé à sa mère à peine quelques heures après sa naissance. Ma sœur vient juste d'accoucher. On l'a menée seulement à l'aéroport. M'avez-vous vu avec un enfant dans les bras? Savez-vous que vous avez commis un crime capital? Mon ami, vous m'accusez de kidnapping? Écoutez, je peux porter plainte à vous et à toute la police. Maintenant, écoutez. Si ça ne vous dérange pas, j'aimerais appeler mon avocat. Avant votre avocat, pouvez-vous répondre à cette dernière question? Quel est le nom de votre sœur? Officier, voilà ce qui s'est passé. Écoutez, on devait partir parce que ma sœur était déjà inquiète. Je comprends. Mais comment se fait-il que votre sœur, que vous dites avoir donné naissance à un bébé, soit employée dans le même hôpital où le même bébé aurait disparu après sa naissance? Officier, je ne m'en souviens pas, mais ma sœur a changé de boulot plusieurs fois. Je veux dire, elle cherche toujours des nouvelles opportunités. Intéressant. En fait, vous êtes au courant qu'elle est impliquée dans les affaires de vol de bébé dans chaque hôpital dans lequel elle a travaillé. Officier, je n'étais pas au courant. J'ignorais cela. Pour votre information, ma tante Jessica est dans votre radar depuis des années maintenant. Pour des cas d'enlèvement de près de 15 nouveau-nés. Et vous êtes ses complices. Officier, je sais rien de tout ça. Tout ce que je sais, mon frère et moi sommes prêts à clore cette affaire. Officier, nous sommes prêts à clore cette affaire. Dites-moi, combien ça coûtera? Passez une bonne journée. Officier, donnez-moi juste votre prix. Officier, votre prix. Votre prix, officier. Ebuka, donc c'est ton plan. C'est ton plan, n'est-ce pas? Pas de problème. Ok. D'accord. Calmez-vous, madame. Votre mari insiste que vous avez toujours voulu entrer en possession de cette mallette et que vous avez fait tout votre possible pour vous en emparer. Officier, puis-je vous poser une question? Qu'est-ce que j'ai à voir avec cette mallette en particulier dont vous me parlez? Je n'ai rien à voir avec cette mallette. Aux dernières nouvelles, mon ex-mari emmenait toujours cette mallette partout où il allait. Il l'enterrait partout dans la concession. Je suis sûre qu'il a oublié l'endroit même où il l'a enterré. Maintenant, il m'accuse. Pour quelle raison? Hia! Ngozi est innocente. Demandez à Ebuka de me laisser tranquille. Ah! Ça veut dire quoi tout ça? Nous ne sommes plus mariés. Qu'il me laisse tranquille. Avec sa stupide mallette. Infiniment. Allez-y. Qui est là? Qui va là? Qui vient troubler la tranquillité de... Viens par là. Tout le monde qui me cherche, tu les amènes chez moi. Donc si tu vois un marabout, tu vas lui montrer ma maison, espèce d'idiot. Bonjour, monsieur. Bonjour. Bonjour, monsieur. J'espère qu'il n'y a aucun problème, monsieur. Il n'y a aucun problème. Bien. Vous ne vous souvenez pas de moi? Je suis l'homme que vous avez porté dans le bus. Monsieur, je transporte beaucoup de personnes tous les jours, donc je ne peux me souvenir de tout le visage, vous savez. Je ne suis pas sûr de vous avoir déjà vu quelque part. Bon, écoutez, je suis l'homme qui a oublié une mallette dans votre bus. Vous vous souvenez? Hey!
Monsieur, vous êtes celui-là qui a oublié sa mallette dans mon bus, n'est-ce pas? Une mallette couleur or. Une mallette de couleur en or? Oui. Rectangulaire. Vous l'avez vraiment vue? S'il vous plaît, puis-je la voir? J'espère que ça ne vous dérange pas. Monsieur, s'il vous plaît. Monsieur, il y a quelque chose dont j'aimerais vous en parler. À propos de la mallette? Oui, à propos de la mallette. Vous-même, vous avez dit que vous l'avez. Elle devrait être chez vous. Oui, monsieur, je jure sur tout ce que j'ai en moi, monsieur. J'ai vu la mallette, je ne mens pas. J'ai vu la mallette. Alors je l'ai amenée chez moi. Vous savez, je l'ai amenée chez moi. Eh bien, parce que je sais qu'elle n'est pas la mienne, et c'est pour ça que je ne l'ai pas gardée dans la penderie. Je l'ai placée tout près de ce lit. C'est pour ça que je dis, entrez et apportez-moi la mallette. N'est-ce pas de la mallette dorée dont vous parlez, monsieur? Monsieur, c'est celle qui est dorée, n'est-ce pas? Je l'ai posée ici. Vous savez, le matin au réveil, avant de faire un tonnerre à ma femme, je me tourne toujours vers la valise puisque je sais que le propriétaire ne va pas plaisanter avec moi. Je fais toujours attention à la mallette. La mallette est devenue l'une des choses les plus importantes. Mais une de mes... Monsieur. Il est évident que quelque chose ne tourne pas chez vous. Monsieur, vous partez? Mon beau. Pitié de moi. Le respect est mutuel. Pitié. Je te promets qu'il y avait un de ce côté, un de l'autre côté. Et c'était tellement... Pitié. Odogu. Qu'est-ce que tu as fait, s'il te plaît? S'il te plaît, écoute ma voisine, non? Odogu. On aura tout vu dans ce monde. Quelqu'un va avoir des problèmes dans cette concession. Je m'en vais dans ma chambre. Hélène, je suis ton amie. Regarde-moi, hein? Je suis censée être au même niveau que vous, les filles. S'il te plaît, introduis-moi dans votre monde des affaires. Je veux être comme vous. Hein? S'il te plaît. Les affaires? Oui. Pourquoi est-ce que tu t'inquiètes? Oui. Tu nous suis partout où nous allons. Tu nous accompagnes à différentes sorties. Et nous remplissons tellement tes poches d'argent. Alors de quoi d'autre as-tu besoin? N'est-ce pas suffisant? Ce n'est pas suffisant, Hélène. En fait, ça ne pourra jamais être suffisant. Hein? Ok, analyse toi-même. Je suis avec vous dans toutes les occasions en ville. Dans toutes les fêtes. Et si par hasard, il y a une urgence. Hein? Et je suis allée me mettre à l'aise. Je suis sûre que vous allez partir avec vos voitures et je serai coincée. Je n'ai pas de voiture, je n'ai rien qui m'appartienne. Quand si. Vous suivre partout, dans tous les événements, ça n'a aucun sens. Je t'assure, j'en ai marre de recevoir du poisson de vous. J'en ai marre, je ne veux plus que vous m'en donniez. Montrez-moi comment attraper ce poisson. Je veux utiliser mes mains pour gagner cet argent. Hein? S'il te plaît. Ok. Très bien. Je vais tout expliquer. Tu ne peux pas gagner la quantité d'argent que tu cherches dans les affaires. Oui. Je ne comprends pas. S'il te plaît, explique-moi bien. Nous appartenons à un club. Les Anges Blancs. C'est un club international qui aide les femmes qui veulent se faire de l'argent. Je le veux. Je le désire. Je suis intéressée. Je le veux. Dites-moi simplement quoi faire. Tout ce qu'il y a à faire. N'est-ce pas moi? Hey, qu'est-ce que je fais de ma vie? Hey, c'est ça une vie? Dites-moi simplement quoi faire et je le ferai. Je me fiche de ce que ça me coûte. S'il te plaît. Je vous salue, grand maître. Grand maître.
comme il vous plaira, grand maître. Enfin, on se rencontre. Vois-tu, je sais que tu as une multitude de questions sans réponse. Mais, très bientôt, tu auras toutes les réponses que tu cherches. D'accord, monsieur. Est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, répondre à cette première question? Je vous ai jamais vu avant. Qui êtes-vous, monsieur? Eh bien, appelle-moi le Don. Vois-tu, je t'ai amené ici parce que je veux que tu rencontres quelqu'un. Une personne vraiment très spéciale. Mon boss. Le voici. Quoi ? N'est-ce pas la même mallette? Non, n'essayez même pas d'eux. Ce n'est pas la même mallette pour laquelle vous m'avez presque tué. N'est-ce pas la même mallette que j'ai laissée à cause, n'est-ce pas? Alors comme ça, vous saviez où est-ce qu'était cette mallette tout ce temps? Et vous m'avez presque... Vous ne m'avez même pas... Monsieur, comment est-ce que vous avez cette mallette? Ne me demandez pas de me calmer. Monsieur, s'il vous plaît. J'ai une question. Cette mallette. Comment est-ce que vous avez fait pour l'avoir? Je ne comprends absolument rien. Je ne comprends absolument rien à ce que vous dites, et cela ne répond pas à ma question. Comment est-ce que cette mallette, cette, comment est-ce qu'elle a fait pour arriver entre vos mains? Quoi? Mais je Monsieur, je suis très confus maintenant. Je vous en prie. Qui êtes-vous? Qu'est-ce que je fais ici? Vous connaissez mon nom? Oui, boss. Yo. S'il vous plaît, j'ai une question.
cette mallette. Comment est-ce qu'elle est arrivée jusqu'ici? Vois-tu, il y a beaucoup de tes questions sans réponse qui tournent autour de nous. Entre-temps, ce qui est là-bas est à toi. Oui, ça. Vas-y, prends. De Naira en mon nom. Ah, qu'est-ce que j'ai encore fait? Vous voulez encore me mettre dans des problèmes? Vous voulez me mettre dans des problèmes? Qu'est-ce que j'ai encore fait pour vous, pour que vous me donnez 50 millions? Hein? 50 millions de Naira en mon nom. Écoute très bien, mon ami. Ça, ce n'est que le bout de l'iceberg. Tu peux investir cet argent dans le business de ton choix. Il y a aussi une SUV qui est garée là, dehors. Acheté en ton nom. Elle est toute à toi. Ah. Je crois que je rêve là. Mais je suis encore en train de parler de 50 millions de Naira à mon nom. Et maintenant, un SUV. Qu'est-ce que je... Non, mais c'est quoi ça? Vous voyez quelqu'un et vous le rendez millionnaire comme ça? Qu'est-ce que... Non, mais c'est quoi ça? Ebuka, monsieur, tu n'as pas à dire amen. Ebuka, tout comme mon boss l'a si bien dit, la richesse est venue à toi. Juste comme ça? Juste comme ça. Maître, on était inquiets. Qu'est-ce qui vous a pris autant de temps? Désolé, les bouchons. J'espère que vous n'avez encore rien dit. Ah, ils nous ont obligés à faire une déposition. Écoutez, maître, vous devez trouver un moyen de nous sortir de cet endroit. Eh bien, il n'y a pas de raison de s'inquiéter. Je vais aller chez le commissaire et je lui parlerai. Faites-le. Vous serez relâché de suite. Entendu, je vous fais confiance pour ça. Merci. Faites juste de votre mieux. Ok, entendu. Au revoir. Tunde est très compétent pour gérer ça. Faisons-lui confiance. Des anges blancs, aussi féroces que le rouge. Aussi certaine que le noir, le blanc n'est pas qu'une simple absence de couleur. Tu ne devras pas être en guerre avec un autre ange. La sentence, c'est la mort. Tu contrôleras la richesse. Et elle sera ta servante. Nous offrons ta tête. Tu n'accepteras de te marier ou de vivre avec un homme. Ta sentence sera la mort. Tes enfants à naître appartiennent aux anges. Ils doivent être une offrande obligatoire, une fois. Si tu ne fais pas cela, c'est... Mais si tu es aussi obéissante aux ordres des anges blancs, tu récolteras les bénéfices. Aussi féroce que le rouge, aussi précise que le noir. Le blanc n'est pas qu'une simple absence de couleur. Est-ce que tu acceptes? Oui, j'accepte. Dans ce cas, très bien. La dernière chose que tu devras faire. Voici l'or. Tu te baigneras avec. Dans un cimetière. Fais-toi un échange.
anges blancs. Les anges blancs, aussi féroces que le rouge, aussi précises que le noir. Le blanc n'est pas qu'une simple absence de couleur. Tu as un très bel appartement, là. Vraiment? Ouais, ouais. Bon, Ibuka. De notre part à tous. Ceci est ta nouvelle maison. Ceci? Oui, ceci t'appartient, tout ceci. Ceci, c'est pour moi? Oui. Cette maison est pour moi? Oui, c'est tout à toi. Ah mon Dieu! C'est pour moi. Oui, c'est tout à toi. Viens, je t'emmène à l'étage pour que tu vois les chambres. Ok. Elles sont superbes. Je ne reviens pas. Ça, tu c'est ma maison. Ouais. Salut. La prochaine fois que tu vas oser t'approcher de ma maison, ou alors de tout ce qui pourrait m'appartenir, eh bien, c'est ce jour que tu feras l'animal qui repose en moi. Et spécialement. Et surtout, les ingrédients faits localement. Maintenant, dégage. Au revoir, mon canard. She don't feel like a queen.